Alors sur le retour de service, on savait déjà, puisque contre Philippe aussi, il a anesthésié son adversaire totalement. Elle est bonne. Mais sur les coups de fond. Que c'est bien joué. Je Safine. Et voilà, Safine qui a bien dominé. Oh, Jean Roucas et Jacques Maillot qui sont au théâtre de Deuxaine en ce moment dans la France Télévisions. Et je suis persuadé qu'il parle tennis. Ce dernier coup droit là, l'échange a été que pour jouer bien dans le tournoi, et bien se retrouve en finale, comme quoi la psychologie est vraiment très importante dans ce jeu, le mental, pas de pression, et avec le jeu qu'il a, il est en finale. Il a même déclaré, je suis venu à Paris sans envie de jouer au tennis, pas de morale, pas d'envie, et finalement, comme vous le dites, la décontraction lui a permis de pratiquer un tennis remarquable et d'arriver. Et oui, ils n'ont même pas le temps de se replacer que la balle leur passe sous les nez. Et pour mettre Agassi à 5 mètres. En dehors des 4 tournois du Grand Chelem, il y a les Super 9 qui se terminent donc traditionnellement par cet Open de Paris-Bercy. Bonne. Il est très très habile à la volée. Oui, il n'y vient pas souvent, ouais. C'est dommage ouais. D'ailleurs. Et quand il y arrive, il sait faire le point. 15 ans. Simplement dire qu'on sait que Steffi Graf, que vous avez rencontré tout à l'heure, Jean-Paul, est dans les tribunes. Elle a déjeuné avec André Agassi avant cette finale. 45. C'est d'ailleurs étonnant, Michel, qu'un joueur puisse arriver à tenir ce niveau de jeu en ne faisant que à 95%, 98% qu'un tennis d'attaque de fond de court. Tirard, la voilà, Stéphane. Eh oui. Superbe. Fabuleuse championne. Jeune. Fabuleux champion que celui qu'elle a. Là, ils vont bien ensemble. Hein. Joli couple, André Agassi et Stéphane. Une balle plus courte mais appuyée. Et on est allé à la faute. Ouf. Elle est bonne. Oh, superbe. C'est bien joué, mais il est heureux, le russe. Oui. Si la balle d'Agassi ne touche pas le filet. C'est parfait. Attention. 15-30. Cette finale avec. Donc c'est bien joué. Il y est. Oh là là, remarquable échange. Un petit sourire. Important de s'imposer dans cette première manche. Oui, 43 Michel, minutes. Je n'avais pas tellement tort de dire qu'il. Poserait du fil à retordre à Agassi. Ah ben, s'il pouvait gagner la première manche, c'est sûr que l'Américain, même avec son numéro 1 sur le dos, numéro 1 mondial, pourrait se poser des questions.
Ah non, là. Bien joué, Safine. Celle-ci va sortir. C'est la pire des choses pour le Russe, c'est d'avoir à subir des points comme chez ce tie-break. Balle de 7 pour André Agassi sur son service. Il y en a 5. On peut penser qu'il va s'adjuger cette première manche. Voilà, un bon service. Et il y va en trottinant André Agassi. Il regagne sa place. Premier set. Bienvenue André Agassi, 40 à. Oh là, c'est bien fait. Allez, encore une occasion d'égaliser un partout. Il va finir par l'avoir sa raquette. Oh, il ferait mieux de la donner, un jeune, au lieu de la casser. Magnifique. De l'autre côté. Et oui, superbe. Tactiquement, très bien joué par Maratsev. Oui. Deux coups géants en coup droit. Et un ace. On en est à 10. Oh. Tranquille comme Baptiste au filet. Quelle belle avancée sur ce coup droit et c'est génial. Et derrière il vient sur le retour de service. Contre-pied, bien sûr, c'est parfait, c'est facile. Ça semble facile. Michel, elle est si bien faite cette volée qu'on se demande vraiment pourquoi il n'y vient pas beaucoup plus souvent avec les coups d'attaque qu'il a dans sa raquette. Oui, bien joué, Barat Safine qui réduit la marque. Il revient à 5 jeux à 2. Il l'a gagné. Difficile, effectivement. Il a tout fait pour attraper la balle. Deuxième manche, Agassi. Voilà le deuxième set remporté par André Agassi. 7-6 et 6-2. Mais Michel, il faut féliciter ce jeune homme en face qui... ayant senti qu'il était en train de perdre pied totalement, a su. Car
la performance en demi-finale contre la Nouvelle-Zélande restera jamais gravée dans la mémoire des joueurs. On va frapper. Non, ouais. Bien vu. Je n'aime tout de même pas beaucoup. C'est à la Coupe Davis, oui, sera oui, le 3, 4, 5 décembre en direct sur France Télévisions. Contre l'Australie, donc. C'est parfait. Superbe. C'est parfait. Il ne pouvait faire qu'un. Oh, il l'aura pas. Safin. Bien joué, Safin. 4 jeux à 3. Il va tout donner dans ce troisième set pour essayer. Ansua. Oui, bien joué ça. Ah oui. Il peut faire la victoire, ça fait. Il oui l'a fait. Oh là là, fabuleux. Ah, j'y ai cru tout le temps à cette troisième manche pour le Russe parce qu'il le mérite, parce qu'il a 19 ans, parce qu'il a du talent et qu'il s'est bien battu. Et il a été tellement extraordinaire dans la première manche, concédé au jeu décisif et trop nettement dominé. Ça ne pouvait pas être le vrai Safin maintenant que le meilleur gagne, car le contrat pour le Russe. Il y va en trottinant, André Agassi. Il avait épuisé la penalty en demi-finale en 3 manches. Là, il est en train de le faire face à Marat Safin. 4-7, le break. Oh là là, le toucher. Quel plaisir, quel bonheur. Alors écoutez-moi, mesdames et messieurs, qui n'est que son coup de poing. On les serve en plein champ sur ce coup. Ah, ouais, elle est bonne, hein. Il pouvait l'avoir, cette balle. En... Il aurait intérêt à sortir une première balle, à servir une première balle. Bonne première balle. Non. Elle était bonne, elle était sur la ligne. Et là, il est dans le filet. Bien joué, Agassi. Il y a toujours cru. Après avoir concédé son service, et bien il a empêché. L'impact a été un tout petit peu trop important. Agassi est là et Safin aussi, oh là là, le réflexe. Et là, il va avoir le dernier mot, non? Oui, il a le dernier mot, Safin. 30 à, quel superbe point avec l'énorme Gilles Jourdan. Et Gilles Jourdan, c'était le quatrième mousquetaire. Attention, 40 à. Il souffle de plus en plus, André Agassi. Mais il aïe, met... aïe, aïe, elle est sortie. Avantage Agassi, attention, balle de 5-3. Il s'est allé au-delà de ses limites. Oh, c'est superbe. C'est intelligemment joué. Ah, il se redonne le temps à Agassi, ouais. Génial. Oh là là. Quel point! Quel point! Elle est bonne. Il la coupe. Il y est, non! Bravo Agassi. L'intelligence d'André Agassi dans ce jeu terrible qui lui permet de mener 5-3 dans le quatrième set.
Ah oui, il a raison d'être content de lui. Le même service. Peut-être. Première balle. Sur la ligne. Bien vu, Jean-Paul. Bravo André Agassi, un superbe service qui lui permet de battre Marat Safin en 4 manches. 7-6, 6-2, 4-6 et 6-4. Après un grand match, un beau spectacle. Il avait gagné Roland-Garros, il avait gagné l'US Open, il a été en finale de Wimbledon et le voilà en 99 qui s'impose ici dans ce 14e Open de Paris-Bercy. Superbe match, grand Agassi, il est grand et il mérite cette ovation du public. Rouge et jaune, deux beaux champions qui nous ont offert un formidable spectacle cet après-midi.